안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡 AJ 지민입니다. 사람들이 여름을 좋아해. 저는 너무 무슨 계절 제일 좋은데? 가을 겨울. Je jure c'est frais. Franchement 40 degrees. 여긴 아니잖아. Si. D'accord. Today 너무 오버하신다. 31도. 31도. 이렇게 더운 와중에도 바람은 분다. 무슨 바람? 한류 바람. 좀 느끼했어. Bah ça c'est nos démonés hein. Ils sont nos démonés hein. Je veux dire mon genre, si j'accuse un salam, noda. 프랑스의 유명한 신문사인 Le Parisien에서 한류에 대한 기사를 냈어요. 근데 그 기사에 감사하게도 저희 프렌치 호떡 채널이 이름을 올렸어요. Il explique plein de choses vis-à-vis de la Hallyu et de l'expansion qu'elle connaît en Europe et en France. 또 저희 채널 이름이 기사 속에 언급이 되어 있다 보니까 구독자분들을 포함한 주변의 많은 분들이 기사 내용을 상당히 궁금해하셨어요. 그래서 오늘은요. 이 신문 기사를 소개해드리겠습니다. 한국 콘텐츠가 요즘 세계에서 인기가 있는 이유, 한류의 이유는 뭘까? 오늘 이 기사를 읽으면 오늘 이 기사를 읽으면 알 수 있어. Pourquoi la Hallyu a un tel succès en France? 이유 뭔데? Hallyu, les étudiants français attirés par la vague sud-coréenne. Après un recul forcé dû au Covid-19, les étudiants ont de nouveau les yeux rivés vers le pays du matin calme pour partir y effectuer une année de césure ou même un séjour linguistique en Corée du Sud. En 2019, 98 857 étudiants internationaux étudient en Corée du Sud, soit 88% de plus qu'en 2014 selon l'UNESCO 2022. Parmi eux, 154 étudiants français, auxquels il faut ajouter le nombre d'étudiants en séjour linguistique qui, lui, est plus important. Qualité d'enseignement en anglais, qualité de vie, richesse culturelle, quelles sont les raisons de l'attractivité de ce pays autrefois dans l'ombre de ses voisins asiatiques? Oh là là. Oh putain. Oh. Attends, non, voilà. Ah mon dieu, moi. Moi je peux plus. Oh. Attends, what did you do? Qu'est-ce que le soft power coréen? Historiquement, la culture de la Corée du Sud est grandement influencée par la domination japonaise, mais aussi par sa libération par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Le soft power écrasant de ce pays d'Asie de l'Est, appelé le Hallyu, vague coréenne, a donc une origine à la fois asiatique et américaine. Quand on sait qu'en 2019, à l'aube de la pandémie mondiale du Covid-19, le nombre de touristes était de 17,5 millions en Corée du Sud, soit 328% plus nombreux qu'en 2000. On comprend l'influence de cette vague. Le Parisien이라고 하면 프랑스에서 어떤 신문사야? Le Monde만큼 유명한데? 르몬드가 어른들의 신문이라면 Le Parisien은 젊은 사람들이 많이 보는 신문이에요. 이해요? 갑자기 저 말하고 있어요. 아 부담스러워. 나 아파. 오늘 아파. 저 Mais par contre, 나 판단당하면 안 해요. D'accord? Merci. Quels sont les éléments puissants de cette culture sud-coréenne? La K-pop mania. Quelques années après la J-pop japonaise, c'est à quelques kilomètres qu'en Corée, le phénomène K-pop, Korean pop, très influencé par les boys bands américains, a vu le jour. Sur le modèle de l'éducation stricte coréenne, les chanteurs de ces boys bands sont également célèbres de par leur mode de vie particulier. Vie commune, relations amoureuses prohibées, chirurgie plastique parfaite, formation artistique accélérée, la recette clé d'un groupe de superstars qui battent chaque jour des records au Billboard ou encore sur Spotify. Un exemple modèle de ces idoles, c'est le groupe BTS qui rayonne mondialement depuis plusieurs années. Ils sont connus pour chanter en anglais et en coréen et ont battu tous les records de streaming sur Spotify et YouTube notamment. Sans cesse sollicités, leur visage inonde les publicités, les TV shows, à l'échelle locale et internationale. De Hyundai à Samsung, toutes les multinationales veulent utiliser leur notoriété. Côté fanbase française, tous leurs billets étaient vendus en 2 heures pour le Stade de France. La mobilité étudiante croissante d'année en année peut donc s'expliquer en partie par la popularité de l'univers K-pop qui devient chaque jour plus importante. Hollywood, la Corée du Sud sur petits et grands écrans. La culture coréenne a été propulsée au premier plan mondial dans tous les médias lorsqu'en 2021, la série Squid Game est apparue sur la plateforme de streaming Netflix. Tout droit sorti de Corée du Sud, ce drama a fait entrer la culture coréenne dans tous les foyers du monde. Des acteurs coréens récompensés par de nombreux prix, notamment un Golden Globe, des musiques traditionnelles du pays, l'utilisation de langues officielles disponibles en VO, mais surtout des coutumes coréennes, jeux du Dalgona Candy entre autres, font partie des nombreux éléments de la culture sud-coréenne que les 111 millions de fans ont pu découvrir, binge-watcher sur leurs écrans l'année dernière. Côté cinéma, Parasite, un long métrage coréen réalisé par Bong Joon-ho, a raflé les Oscars 2020 en remportant celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.
il fut le premier long-métrage sud-coréen à avoir reçu un award hollywoodien. Nombreux sont les amateurs de cette culture qui, grâce au rayonnement récent sur les écrans de la Corée du Sud, veulent vivre leur propre drama en visitant le territoire coréen. Mode de vie, réseaux sociaux. Grâce à la popularité mondiale de la K-pop, des fictions et autres arts coréens, les réseaux sociaux se sont pris de passion pour la vie à la sud-coréenne. On a pu y apercevoir la naissance du style kawaii que les influenceuses K-fashion ont vite adopté, mais aussi des maquillages coréens extravagants. Certains réseaux sociaux ont même vu le jour grâce à la Koreemania, notamment Webtoon, plateforme de littérature coréenne où l'on peut se laisser tenter par un manhwa ou deux. L'exportation de la culture grâce aux réseaux sociaux jusqu'en Europe ou en Amérique est telle que l'on peut observer des flash mobs K-pop dans les rues d'Europe de l'Ouest, ou encore des produits typiques sud-coréens comme le Yakult, un yaourt à boire dans la trilogie Netflix américaine To All the Boys I Loved. Des influenceurs et influenceuses français se sont spécialisés sur des contenus basés sur l'univers de la Corée du Sud. De passionnés de K-pop comme Bradley Well et Yan Cham aux chaînes YouTube d'actualité sur la culture sud-coréenne comme French Otok. Les Français sont toujours plus nombreux à rejoindre le mouvement Hallyu. 여러분은 지금 프랑스의 저명한 신문사 Le Parisien에서 인정한 French Otok과 함께하고 계십니다. 저명한 신문사 그냥 신문사는 저명한 신문사 Le Parisien 이 인정한 프렌치 워터 그냥 아니고 인정받은 프렌치 워터 구독에 대한 자부심을 느끼셔도 괜찮습니다 인정받은 채널 감사합니다 나 감다 네가 가면 우리 채널 어떻게 합니까? Conséquences du Hallyu sur le tourisme et la mobilité étudiante. Le soft power de la Corée du Sud, c'est l'art d'avoir investi dans la culture, un moyen de produire de la richesse autrement. Avec la folie du Hallyu, c'est le tourisme qui a été chamboulé. Mathieu Gaulier de l'agence de séjour linguistique Voyage Langue, partenaire du Parisien étudiant, le confirme. Il a vu la demande pour des cours de coréen augmenter de 300% en 5 ans. En 2019, la France était le 33e pays d'origine des étudiants étrangers en Corée du Sud. Le nombre d'étudiants français a doublé depuis 2014 selon Campus France 2021. La Corée est aussi la 34e destination la plus populaire pour les étudiants français. Les étudiants, en plus d'être passionnés par la culture et la langue, recherchent la qualité d'enseignement coréenne. Avec l'annonce de l'arrivée de la saison 2 de Squid Game en janvier dernier, le mouvement Hallyu n'est pas près de s'essouffler. Né, grossmida. Tu es folle. Tu es complètement. Ya. Né, grossmida. TV 호스트도 다 그렇게 하잖아. 네, 그렇습니다. 네. 감사합니다. 네. 최고예요. 네. 폭발적이었어요. 네, Hallyu 써봐. 아무래도 이제 저희가 아니지. 너는 프랑스 사람이니까. Depends. 아무래도 저희가 한국 사람으로서 해외에서 이제 살고 있다 보니까 한국 콘텐츠가 해외에서 사랑을 받으면 받을수록 되게 뿌듯하고 이렇게 내 나라 해외에서도 인기가 있구나. 난 이게 진짜 이제 just begin이라고 생각해. 앞으로 한국 문화 콘텐츠 K-pop, K-drama, K-movie, K-beauty, K-French 어떤 K-소민, K-아진. Là non, là we have to stop. 마무리합시다. K-French 어떤입니다. 왜? Allez, au revoir, merci.